Ce dimanche 7 janvier, lors du traditionnel débrief du dernier prime de la Star Academy avec Cécile Chaduteau, Axel a été pointé du doigt par l'invité de la professeure d'expression scénique. Ce 6 janvier, TF1 a illuminé notre samedi soir avec le 10e prime de la Star Academy, marquant l'entrée fracassante dans l'année 2024. Les élèves du château ont partagé la scène avec des géants de la variété, offrant des moments inoubliables en revisitant des classiques. Eddie De Pretto et Djibril ont uni leur voix sur Kid, créant une alchimie unique. Camille Lelouch a ému avec N'insiste pas aux côtés de Lenny, et Claudio Capeo a électrisé le plateau avec Un homme debout, accompagné par Julien. Raphaël a repris son tube Caravane, Angoune a envoûté la scène avec La Neige au Sahara auprès d'Elena, et Umberto Tozzi a revisité Tiamo en duo avec Axel. Les coulisses d'une semaine intense à la Star Academy après la sortie de Candice la semaine précédente, la nouvelle semaine a débuté par un défi de taille pour les 6 académiciens restants, la carte blanche. Chaque choix, du duo avec les invités à l'ouverture du spectacle, a pesé sur le destin des participants. Les évaluations ont ajouté une touche de suspense, chacun tirant au sort une chanson parmi 3 thèmes. Les résultats ont souri à Lenny et Julien, récompensés d'une immunité méritée. En revanche, Elena, Djibril, Pierre et Axel ont dû défendre leur place lors de ce 10e prime. Elena, touchée par le deuil de sa grand-mère, Pierre, confronté à une réelle première nomination, Axel, qui pensait être immunisé, et Djibril, rescapé du vote du public la semaine précédente, se sont retrouvés sur la sellette. Leur mission était de convaincre les téléspectateurs de les garder dans l'aventure. Après un prime riche en surprises, le verdict est tombé. Malheureusement, Djibril a reçu le moins de suffrages, mettant fin à son parcours dans la Star Academy. Axel piqué par le manager de Kenji Girac lors du traditionnel débrief ce dimanche avec Cécile Chaduteau, qui était accompagnée exceptionnellement par Alban Travia, manager de Kenji Girac, Axel a été piqué par ce dernier. Après avoir revu son duo avec Elena sur le hit mondial Hello de Adèle, l'invité de la professeure d'expression scénique a remarqué, Axel toi je t'ai senti. T'es dans un combat, j'ai l'impression que tu es dans un combat avec toi, mais vraiment avec toi, tu te battais pour faire sortir, alors que tu peux la sortir largement la note, mais tu t'es tellement mis une pression, et tu te bats contre toi-même, en fait juste contre toi-même, est-ce que je vais le faire, est-ce que je vais y arriver, que, en fait on le voit sur ton visage. Ta voix elle est là, on sait que tu as une très belle voix. Mais on en est à un stade de l'aventure, où il faut avoir confiance en soi. Si est-il que du plus, si est-il pas c'était une cata, le sujet si est-il pas ça, le sujet il est juste que si tu prends du plaisir on va le ressentir, si est-il tout, a conclu Alban Travia.